Pour les automobilistes américains, c'est vraiment Noël à la pompe cette année. Ils sont les grands gagnants de la chute des cours du brut. Les taxes sur les carburants étant bien plus basses aux États-Unis qu'en Europe, un litre d'essence leur coûte 48 centimes d'euros en moyenne aujourd'hui, soit 30% de moins qu'il y a un an. J'avais remarqué que pour faire le plein il y a un an, je devais prévoir 50 dollars. Aujourd'hui, je m'en sors avec 36 ou 38 dollars pour un plein. La baisse des prix à la pompe dope littéralement le pouvoir d'achat des ménages. C'est aussi un vrai coup de pouce au secteur des transports. Rien que cette année, les économies sur l'essence s'élèvent à 115 milliards de dollars, soit 550 dollars pour chaque automobiliste aux États-Unis. Les prix à la pompe baissent aussi en Europe. C'est en Pologne que le litre d'essence est le moins cher, à 93 centimes. Pour le diesel, mieux vaut faire le plein au Luxembourg, à 88 centimes le litre.